Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une petite introduction. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un event organisé par Monsieur Kryze, Price plutôt, qui est en bleu, donc j'ai sa tête et son skin entier. Donc c'est un event qui est prévu depuis un bon petit moment. Donc du coup, nous sommes invités, moi et Ethan, naturellement. Et du coup, c'est un genre du UHC, sauf que tous les épisodes, il va y avoir deux items par membre qui vont être lootés dans son inventaire. Donc ça peut être du positif comme du négatif. Donc il faudra bien voir si on a de la chance. Il peut y avoir des pommes de, une pomme de gold, ou du lapis, du diamant, comme ça peut être de la terre, des bûches, un seau de lave, pourquoi pas. Donc il y a pas mal de choses. Et du coup, bah, ça nous de voir après si on peut... Oups. Si on peut ou pas avoir vraiment de la chance comme il faut. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Va à droite. D'accord. Sur ce, je vous laisse. De toute façon, je prendrai le record avec Ethan juste après. Donc, ne vous inquiétez pas. S'il y a une petite transition. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde et likez sur toutes les vidéos. Voilà. Bisous tout le monde. Est-ce que tout le monde est prêt? Je vois que oui. Ok, 3, 2, 1, salut à vous les amis et bienvenue pour la saison 2 de Ten. Nous sommes avec beaucoup beaucoup plus de monde que la saison 1, vous vous en doutez, la saison 1 était avec 10 personnes, cette fois-ci nous sommes avec 20 personnes, mais 10 équipes, c'est ce qui fait la différence. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la saison 1? Eh bien cette fois-ci le Nether est activé, arrête de montrer ton cul d'adou, merci. Alors, nous sommes en Eternal Day, Sochi tu peux arrêter aussi. Et si on crache, on meurt. Non, non, si on crache, on ne meurt pas. Tout le monde est mute pour l'instant, parce qu'est-ce que tu fous avec une armure? Ok, votre armure, vous la virez, je veux pas voir ça. Virez tous votre armure, bon sang. Allez, il commence bien, ce sont les pires. Alors, vous vous dites pourquoi Cubic n'est pas là, parce que vous savez bien que... Merci, je reprends tout ça. Vous vous doutez bien que Cubic, s'il n'est pas là, c'est pour une bonne raison, qu'il est organisateur aussi. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas là, voilà. Et... c'est lui qui a fait tout ce qu'il faut. Donc on remercie Cubic, un gros merci pour Cubic dans le chat, mesdames et messieurs, SVP, ce serait super sympa, et merci à Rich également d'avoir fait ce magnifique hub sur lequel vous vous trouvez. Cette saison n'aurait jamais eu lieu sans eux, et comme vous le voyez, cette fois-ci, on va présenter aussi tout le monde. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est simple, hein, toutes les 10 minutes, il y aura des items qui seront drop aléatoirement, ce sera, et puis je t'ai vu, ce sera plus ou moins... marrant, non ce sera très marrant, en fait dépendant de votre chance vous allez vous retrouver comme Dadou Gaming éclaté par un mec qui a une potion de force, salut Dadou, ou alors vous allez finir complètement éclaté par tout le monde parce qu'ils sont tous overcheat. Alors, nous sommes avec Ayun et Ezen qui étaient déjà dans la première saison, qui sont juste ici derrière, on voit Monsieur Ezen et Mademoiselle Ayun, juste ici, Ayun et Miss Root si jamais vous n'avez pas remarqué. Nous sommes avec Lucasio et Tico Spart qui sont juste ici, waouh, ils sont beaux, ils sont frais, c'est bien eux, c'est bien ça. Alors, en troisième position dans le table, nous avons moi, Gabi et moi-même. Alors, un mec qui sait PVP et un mec qui chie des bulles, ben tant mieux, j'ai envie de dire, ça fera un bon combo. Nous sommes avec Shage et Tronis qui, eux, crient leur pseudo est en majuscule, donc ils crient quand ils parlent, c'est énorme, on adore. Sochi et Toto, la team des princesses, avec la belle Sochi et le magnifique Toto, à la grosse... voilà. Épée Forte et Tans, les deux amoureux et le duo de choc de l'année. Je sais pas si c'est vraiment un duo de choc, mais en tout cas, c'est un duo de choc quand même, mais pas de l'année. Alors vous inquiétez pas, de la décennie les gars, de la décennie. Alors, nous sommes aussi avec Adrigogo et Nico Quake. Nico Quake qui remplace Mister Patateux, arrivant de dernière minute. J'espère que tu vas gérer autant que lui, mon petit Nico. Et arrête de montrer ton cul, Adri. On sait que t'es une princesse ne montre pas son cul. Nous avons la team animateur avec Max LR et Palmacraft, les deux animateurs, ben voilà, les animateurs 3D, les beaux gosses, hein, ceux qui font toutes les animations bien badass, les deux génies exactement. Avec Vindict et Little, Vindict et Little qui... Pff, on s'en fout d'eux en fait, hein. Little est plus important que Vindict, Vindict... c'est Vindict quoi, c'est Zobek, c'est le mec qui était pas aimé avant, qui maintenant est bien aimé.
Mais enfin non, en fait, on sait pas, on sait pas. Et puis nous finissons par les meilleurs, ceux qui vont se faire éclater en premier, qui sont sur Twitch, qu'on salue bien évidemment. Je plaisante, Dadou me tape pas, je plaisante, je t'inquiète, c'est pour rigoler, c'est Fabulous qui me tuera, pas toi, je le sais. Mais voilà, Fabulous Benji et Mr. Dadou Gaming, mesdames et messieurs, nous allons bientôt commencer. C'était la présentation. Vous pouvez rejoindre votre channel TeamSpeak. Ah. Eh bonjour. Sur l'OTS, sur l'OTS, 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 l'OTS. Comme une hôtesse. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais, oui. Un coucou. Ah. Ils vont me prendre pour un fou, les gens. Mais non, mais non. De toute façon, eux ils vont mourir, lui il va mourir, lui aussi, lui, eux, ouais, lui, bah, au premier. Et les rois de Twitch, là, ils vont courir au premier épisode, voilà. On commence quand? Ouais, je suis Jerko. Good, 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 good. Bon, bah, c'est parti. Bon, ça lag un peu au début, non, ça va? Non, ça va du tout, c'est ça Oh! lève même pas du tout. Oh, j'ai déjà une pomme! Les arbres, je sais pas, ils dépopent toi les arbres ou pas? J'ai pas l'impression. Oui, des pop. C'est un petit peu lent, mais il dépop quand même. Allez, une petite table de craft. On y va chez tranquillou dès le début, comme d'hab. Un peu lent, ouais, beaucoup lent. Oh, moi j'ai pas ce problème. Bah, c'est-à-dire, on pop pas directement, mais. Mais ça va. Alors, pour l'info, nous sommes pas avec le plugin Mumble, hein. Donc, on est à sort TS. Je te récupère un peu de cailloux. S'il te plaît, oui. Comme ça, bah, je vais me faire directement les items en cailloux. Ouais. Hop. Mets un peu de cailloux. Ouais, tiens. On va se faire une petite pioche, une petite hache, ça peut être cool. Comme ça, on va pouvoir couper du bois. Avec Moi, je Getting Wood, vais hein, aller naturellement. chercher du machin. Du machin? La bouffe. Oui. Essaye de trouver sur le chemin aussi des la cana, ce genre de choses. De la cana, du cannabis. Bah non, pas des cannabis. De la canne à sucre. Canne à sucre. De la canne à sucre. Canne à sucre. Récolteur de notre bois. Alors, on fait quoi comme petite technique, mon bébé? Est-ce qu'on mine, on mine, on mine? Ou. On mine pas et on part à la chasse. Comme tu veux. Bon, il faudrait déjà de la bouffe au début. Voilà. Bah déjà, il y avait une putain de crevasse. Ah, ça c'est déjà un bon point. Vois-tu du fer? Oui. C'est parfait. Mais moi, on m'a dit chercher de la canne à sucre, donc je cherche de la canne à sucre et j'en ai trouvé. Magnifique. Et récolte ce que tu en veux ou peux. Ça c'est assez dangereux. En espérant que ça va bien des pop, ça va, j'ai encore une autre pomme. La vie n'a pas l'air de descendre, enfin la bouffe. Bah tant mieux d'un côté, sinon il faut se déco-reco, parce que c'est peut-être un bug à 1.8. D'accord, bah non, j'ai pas envie de mettre les crampons. Mais c'est un bug graphique, hein, donc Ah oui, non, c'est bon, elle vient de descendre. J'ai 4 4 cannes à sucre. Bon, bah ça va faire un livre. Je suis en train de chercher la crevasse que je t'ai dit. Faudrait bien. Ah, cool, une autre pomme qui vient de pop. Je regarde les coordonnées, je suis en 627 550. 627, Enfin, 550.
Ouais, 627-550. Ok. Ah, de toute façon, je te redis ça. J'ai juste envie que les pommes drop. Duc. Allez, on va accélérer un petit peu tout ça. Dommage qu'il n'y ait pas le plugin qui accélère les dépops. Oui. Ah, ça serait trop beau sinon. Kreisk a déjà perdu un peu de cœur. Tu vas crever en premier. Ah, dommage que le fer ne soit pas cuit, mais bon, c'est un run. Non. Oh, faut, de toute façon, on va essayer de gagner jusqu'au bout. Je Oui. garantis tout de suite qu'on n'ira pas dans le Nether, à moins qu'on soit hyper bien stuff. Hein. Ouh, le rollback. Ouais, je l'ai un petit peu senti aussi. Normalement, ça devrait aller. Bon, bah, il n'y a pas d'autres pommes qui tombent. C'est un peu dommage. J'en ai combien de pommes? J'en ai 3. Au pire, je replanterai des choses. Redonne-moi voir tes coordonnées, Lou, s'il te plaît. 627-550. 550, 627. Ok, je suis pas très loin. Ouais, je vois ton pseudo. Je vois ton petit pseudo. Ah oui, effectivement. Tiens, une petite collée d'eau. C'est pratique. Un zombie qui est en train de flamber là-bas. Au pire, il y a des arbres autour. Donc ce que je vais faire, bah, je vais péter ça. Comme ça, le temps que ça drop, bah, on a le temps d'éliminer. Hop. Oui. Voilà. Un peu plus de cailloux, du charbon. As-tu trouvé beaucoup de bouffe ou pas? Je n'ai pas trouvé de bouffe. Ah, ça c'est problématique. Ouais, c'est pour ça qu'on juste la crevasse manière superficiellement, on va pas les creuser non plus. Ouais, bon, j'ai mis un cours d'eau pour monter. Je vais aller chercher de. Je vais aller chercher. Est-ce que les lapins drop déjà? Je m'en rappelle plus. Normalement, oui. Hé, lapin! Ah oui, non, ils drop que de la peau, eux. Fuck. Oh, il y a une belle crevasse juste à côté encore. Voilà. En espérant qu'il y ait. Oh, ça va, les crevasses, elle est plutôt correcte, hein. Par contre, niveau vache, mouton et autres, y a pas vraiment. Y a que du lapin dans le coin. Bon, je bouge un peu, je vais regarder s'il y en a pas ailleurs. Ok. Ça marche, moi j'ai 29 fer. Ah, good. Bah tiens, j'ai de la canne à sucre encore ici. Ouais, bah je voudrais bien qu'il y ait des animaux qui pop parce que là c'est un peu. Bon, je vais remonter, j'ai pillé la crevasse. C'est pas un petit peu la dèche, mais un peu quand même. Et en avant le bateau.
vais utiliser l'eau pour aller plus vite, hein, comme ça, ça... Ah, merde. Le bateau qui se casse, parce qu'il était dans une... Dans un coin. Ah, village. Ah, ça c'est plutôt bien, pour la bouffe. Alors, tu es où, dis-moi. Là, je suis en 800, 800. Mais je vais dans un village et il y aura de la bouffe. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils ont... que je serai le premier. En 800, 800 ? Ouais. Ah, mais t'as été loin, là. Ah oui, je suis parti de Tatooine. Là, je suis à 700... 700... Ouais. 700, 900. Et il y a des gros villageois. En espérant qu'il y a des champs, ça m'arrangerait. Il y a des vaches. Ah, oh, ça, c'est déjà bien. J'ai plus de bouffe. Et il y a des bouquins. C'est bon. Tu peux virer la canne à sucre ? Ouais. J'ai les PNJ, ça boum. Ah cool, il y a plein de... Il y a des patates. Il y a du blé. Je suis en 770... 700. Attention, ça lag. Je vais vers où ? Voilà. 630... 900. Et tu verras un village. Ah oui, je le vois, le village. Bouge pas du village, hein, j'y vais. Ouais, bah, j'y suis aussi, mais... Il n'y a qu'un seul champ, fait chier. Il y a un bateau, ah. Oui. Des flèches, 15 flèches et une porte en fer. Oh, ça va, c'est plutôt bien. D'accord, j'ai eu un bateau, oui. Je vais pouvoir traverser avec mon bateau, oui. Ok, c'est bien. C'est un beau début. Bon, il y a de la bonne bouffe de vache et autres. Et puis, il y a ce qu'il faut pour descendre. Donc, je récupère tout et puis... Bah, moi, je suis au village. Merde, il me faudrait un caillou de plus. Je suis à l'église. Je suis derrière le village, il y a une... Par contre, on va se plus qu'un gigot. Hein. Ouais, bah c'est pour ça que je suis en train de faire un four pour... Tiens, je suis l'abîmé. J'ai plus que un demi-gigot, donc passe-moi vite de la bouffe. Tiens. Avant que je crève. Tiens, reste ici. Tu manges déjà un petit bout là. C'est bon. Voilà, dans le four, il y a des patates. Ouais, j'en prends une, je vais aller chasser les vaches qui est là-bas. Ouais. Ouais, parce que là, on peut crever de bouffe, vu qu'on est en harcon. Oui. Une bonne petite patate. Le mieux, ça serait limite le gigot, mais le gigot, on le cuira après. Heureusement qu'on a eu le village, hein, et les vaches à côté, parce que... Ouais, c'est sûr. Enfin, surtout faire autant de blocs pour les avoir, quoi. Ouais. Bon, la crevasse là-bas, il était pas mal. Après, il y a un beau trou qui descend peut-être à la couche du diamant, ce qui est juste en dessous. Ça, profond. Ça descend plutôt profond. Steak. Oh, magnifique. Le cuir, j'en ai besoin ou pas? J'en ai que 5. Oui, garde-le, le cuir. C'est... Bon, même si on a des livres, mais... C'est toujours bien d'en avoir. Alors, les villageois, par contre, je les ai pas regardé ce que c'était. Tiens, il y a... faut des émeraudes. Enfin, ah non, pas forcément. Ouais, pas forcément. Je vais aller faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'ils vendent. Le temps que ça cuise, en fait. Tu vends quoi, toi? Le cop de cité de la merde. Alors, par contre, tu vois, je les bute, les villageois. Ça peut aider pour les autres. Ah, pour pas que ça n'aide les autres. Oui, pour pas que ça aide les autres. Bah, ça peut aider les autres, justement, donc non. Sharpness 3, mais 24 émeraudes, on les aura jamais. Là, j'ai perdu un cœur à cause de la bouffe. Fortune. Ah, fortune, tu peux être bien, j'ai toi. J'ai perdu un cœur. Fuck. Tu resteras là, mon petit villageois.
Il y a un village voix fortune émeraude, donc au cas où si on a 14 d'émeraude et un bouquin, on peut avoir fortune 1. Donc ça peut être bien. Ici, il y a du monde par contre. 11 de cuir, une émeraude. Ok. Ouais, que de la merde sinon. Et vous êtes chers les mecs. Bon, de toute façon, ils pourront trop rien avoir avec les villageois. J'ai caché celui qui a fortune. Au cas où si on a assez d'émeraudes. Ah cool, t'as dû faire. Tu me passes ton cuir, Lou, s'il te plaît ? Cuir, oui. Hop. Merci. Tac, tac, tac. Du coup, qu'est-ce qu'on... On va miner par là ? Ah, ouais, parce que moi je pensais plus... Dernier nœud sur les fours. Parce que ça descend plutôt bien. Il reste 4 minutes pour le premier. Ok. Bien. Devant le four. Merci, Bibi. Tu veux une pioche ? Ouais, elle veut bien. Un rabbit. En fer, de préférence. Ouais. Et je nous fais deux épées en fer aussi. Good. Ça la gouille. Ça la gouille. Aurais-tu possibilité limite d'un saut également ? Pas encore. Bah là tu peux faire un saut, c'est dans le four. Merci. Comme ça. Limite descendre un petit coup profondeur, voir ce qu'il peut y avoir. Parce que malgré tout, bah, ça descend plutôt bien. Ouais, je suis à couche 30, il y a rien d'autre. Fuck. On surveille les fours en haut, on sait jamais qui peut nous piquer. Oui. Compliqué. Ça serait dommage. Bon, je remonte, il y a trop rien. Tu veux qu'on aille ailleurs pour miner ? Si tu veux, oui, on peut aller explorer un peu. Ouais, le temps que, mais... Il y en a pas mal qui ont déjà perdu des cœurs, hein. J'ai... Oh, un zombie. Touche pas à toi. Pas plus zombie. Ouais, les zombies qui sortent de leur caverne. Mais bon. Tiens, prends-en 3 steaks là-dedans. Cool. Ouais, donc bah. À partir de l'épisode 2, de toute façon, ils peuvent nous attaquer. Oui, dans pas longtemps. Donc bon. Il est con ce lapin. Pouf pouf. Tiens, tu prends les autres steaks ? Hop. Bah vas-y pour le faire, détruit. Puis... Voilà, hop, à toi de jouer. Et du coup je vais manger un peu parce que... La bouffe... Ah bah GG. Ah les zombies hein, ça tue, surtout quand ils sont en flammes. On essaye de se trouver un trou et puis on descend. Ouais. Ah moi si t'as autre chose. Oui, il s'est fait un petit pantalon. On va... Comment ? Il s'est fait un petit pantalon. Oui, bah oui, j'ai pas assez encore pour toi, il m'en manque juste un. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas. Non mais il me manque un fer. Ouais. Oui. Tiens, il y a des vaches là-bas, il y a des chevaux, tiens, c'est pas mal. Ouais, aller choper des vaches, on va pas tuer les chevaux si jamais on loot une selle. J'aimerais bien. Attention pour ce Friendly Flyer.
Friendly Fire activé. Oui. Il a décharge. Oh, il y a plein de vaches encore. Ah, finalement, on a bien fait de venir ici. Ouais, mais tu vois là, on s'éloigne. Ouais, on s'éloigne. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Regarde s'il y a des nœuds de Hungry. Et c'est la fin de l'épisode 1. Ouais, bisous bisous.